Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chaos Games, je suis Kaoril et nous sommes de retour sur Game Dev Tycoon où nous nous prenons pour un mania du jeu vidéo dans notre garage avec une DeLorean, des tournevis et un poster de Pong. Malheureusement, suite au dernier épisode où j'ai créé un moteur de jeu, je suis un peu sur la papaye, donc il faut que je trouve un... configurer des ordinateurs sympas, des jobs sous contrat parce que voilà, il faut bien remplir l'assiette de nouilles, hein. Tout simplement. Alors c'est parti, se gratte la tête, arrête de te gratter la tête, ta putain. Oh, je prends des pénalités. Oh non, non, non. Oh là 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 là. J'ai perdu de l'argent parce qu'il s'est gratté la tête. Allez, on va faire le dire. Aucun contrat n'est dispo. Ah mais je suis dans le popo en fait. Parce que coup de dev 20k, j'ai pas de sous. Coup de dev 5k peut-être sur PC. Ouais, un coup 20k, ah, zut. Bon bah tant pis, la banque va me mettre dans le rouge. Hein. On va se faire un petit jeu de... Un autre jeu de course, tiens. Course simulation. Sur PC. Ouais, ça va être beau ça. Moteur Chaos 1. Et on va l'appeler... Un titre pas du tout ronflant. Ultima Tracing. Voilà, ça plaisante pas. Graphisme en 2D, V2, histoire de me mettre sur la paille. Oh, votre compte bancaire est dans le rouge. Heureusement, votre banque vous autorise un découvert de 50 000. Mais attention, si le solde de votre compte est inférieur à 50 000, vous ferez faillite. Oh non! Et c'est que ça coûte cher, toutes ces blagues, hein. Histoire, oui, on s'en fout. Moteur, hop, et gameplay. Didacticiel, sauvegarde d'histoire linéaire, non. Non, 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 et puis de toute façon, j'ai pas les sous pour ça. Hein. Oh là 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 là, les dépenses mensuelles. Ouais, peut-être que tu te dépêches, pépère. Hein. Dialogue, mais on s'en fout. Intelligence artificielle à moitié, et le design du niveau, par contre, oui. Voilà. Allez, plup, plup, plup. Fais-moi des petites bulles, fais-moi des petites bulles et dépêche-toi de coder. Design du monde, on s'en fout. Graphisme à fond les manettes et le son à moitié. Est-ce que j'investis dans son mono? Ah, c'est 10 000, mais ça me fait passer à moins 36 000 les dépenses mensuelles et le temps que le jeu sorte. Je crois que ça me mettrait sur la paille. En même temps, ça me coûte déjà 5 000 cette blague. Bon, allez hop, croisons les doigts. Ouh là 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 là, moins 36 000. Moins 36 000, et là les charges mensuelles qui vont tomber, non, ouh là 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 là. Dépêche-toi de corriger tes bugs. Allez, 3, 2, 1. Ouh, vite, on lance le jeu. Semaine 3, ouh, ça va être tendu. Nouveau worker, tout ça c'est bien. Tout ça c'est bien. Oh. Graphisme de DV2, ça avance bien. Les sons d'XP. Allez, on se dépêche de sortir les... Mais on s'en fout de la Master V, oh, il a bouleversé le marché mondial, faut arrêter. Peu de débouchés sur le marché américain. Ah, mais c'est dommage. Voilà, les critiques viennent d'arriver. Allez, il est excellent. Il est excellent. Voilà, 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 voilà. Presque parfait. J'adore. J'y ai joué pendant des jours. Ouais, bah il a intérêt à bien se vendre parce que sinon c'est le dernier jeu auquel t'auras joué de ma part. Allez, les ventes. Ouais, vu que vous avez sorti votre dernier jeu, Ultima Tracing, nous vous proposons un micro-crédit pour passer les charges de ce mois-ci. Nous vous donnerons les 68 268 pour couvrir vos frais, attendons les rembourser intégralement, ainsi que les frais annexes et de gestion de compte de 25k. Oh, la banque de pourri. Allez, vends-toi avant. Mais ils vont bien. Waouh, 10 000 la première semaine, c'est pas mal. Je vais profiter de ça pour tout de suite faire péter un nouveau jeu, parce que... développer un nouveau jeu... Alors, les vampires, c'était pas terrible. Tap tap, ils avaient bien aimé. Rythme action, excellent combo. Oh non, avec 80k la licence de la TES, il se mouche pas du pied. Hein. Voilà, G64, moteur Chaos 1. Et on va l'appeler. Non, pas tapote quand même. Tap, tout simplement. Voilà, c'est plus tap tap, c'est tap.
Deux DVD, bien sûr, c'est important. Oh, le pognon rentre bien, ça fait plaisir. Histoire linéaire, sauvegarde et didacticiel. Hein, didacticiel, ça pourrait être sympa pour ce genre de jeu, quand même. Gameplay, moteur, histoire, quête, c'est bien. Le jeu Ultimate Racing récemment publié rencontre un succès inattendu auprès des joueurs. Ah, bah oui, mais moi j'ai besoin d'argent, donc pourvu qu'il continue de se vendre. Alors, dialogue moins, design du monde, intelligence, ouais, ça me semble bien. C'est bon, l'argent rentre un petit peu. C'est toujours plaisant. Les sons, c'est quand même très important. Voilà. C'est pas mal comme ça. ont été prélevés sur votre compte. Merci la banque. Mais ils m'ont quand même permis de survivre. Voilà. Nouveau record, c'est pas mal. Des bons XP qui font plaisir. Par où ils passent. Hop là, publié. Oh non, Ultimate Racing n'est plus en vente. Ah, il a rapporté pas casse d'argent. Et ça, ça fait plaisir. Je vais faire un rapport sur Ultimate Racing d'ailleurs. Casual Games, ouais. Alors, est-ce qu'ils vont aimer TAP? J'ai vu un 10. Oh, 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 très plaisant! Les jeux de type action rentrent bien sur les G64. Ouais. Rythme et action font une superbe combinaison! Mais ils sont fous de mon jeu! J'ai hâte de voir la suite! Bah, profite déjà de celui-là, hein. Et oh! Ah, ils sont pressés. Que le Commodore G64 semble perdre lentement des parts de marché par rapport aux autres constructeurs de PC. Oh non! Dans une déclaration officieuse, un employé de G64 rapporte que l'entreprise n'a pas su mettre sur le marché des ordinateurs plus onéreux pour concurrencer les PC plus récents et puissants. Oh, c'est dommage. Alors, graphisme semble être relativement important pour ce type de jeu. T'as trouvé ça tout seul? Eh mais... Recherche ciblage du public, je m'en fous un peu en fait. Nouveau thème, hôpital. Pff, je peux faire un thème hôpital, mais est-ce que ça vaut le coup de dépenser 10K là-dedans? En même temps, ça m'embête, ce que je veux faire c'est des RPG. Je veux des RPG quoi, avec des arts martiaux? Avec une école? École RPG? Ouais, ça se défend en plus. On va plutôt se faire un petit thème hôpital. Allez, cherche, t'as raison. Pendant ce temps-là, le pognon rentre joyeusement, et c'est tout ce que j'y demande. Et terminer les recherches sur le thème hôpital. Ah, ça c'est bien ça. Développer un nouveau jeu. Donc, thème hôpital, genre stratégie. Stratégie ou simulation? Stratégie, allez hop là. Thème hôpital. Plateforme, bah... PC, bien sûr, avec le moteur Chaos 1. En graphisme, 2DV2. Ah, il commence déjà par un petit bug, tiens, histoire de bien commencer la journée. Histoire quête, on s'en fout, didacticiel, est-ce qu'il y en a besoin? Pour le gameplay, ouais, quand même, moteur, sauvegarde, ouais, c'est quand même pratique, les sauvegardes, hein, faut pas plaisanter. Hop là. Oh, les bons petits bugs. Nivento a annoncé aujourd'hui la prochaine mise sur le marché d'une console de jeu portable appelée Gamling. L'appareil sera équipé de cartouches de jeu interchangeables, d'un écran monochrome à fond vert, de haut-parleurs intégrés et offrira même un support multijoueur grâce à une connexion par câble. La Gamling sera moins puissante que les PC et autres consoles de jeu, mais son petit prix et le fait qu'elle soit portable pourraient la rendre très populaire. La première que j'ai eue, je l'avais gagnée à un jeu téléphonique, le Game Boy. J'en reviens toujours pas aujourd'hui d'avoir vraiment gagné un jeu à la con comme ça, mais bon. Tant mieux. Design du niveau pour thème hospital, non, pas vraiment. On va
plutôt tout mettre sur l'IA, un jeu de strat. Allez, hop là. Les sons, est-ce que c'est important? Je dirais non. Je dirais que c'est le design du monde dans un jeu de stratégie. Plus que les graphismes. Voilà. Ouais. C'est très bien. Oh, tape et puis en vente. Oh, heureusement, il a bien fait rentrer le pognon. Et voilà. On corrige ces petits bugs qu'on a glissés subtilement dans le code, histoire de rigoler. Plip, 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 merci. Ouais, c'est une drouille, ce jeu. Bon, au moins, petit niveau de gagné en gameplay, ça fait toujours plaisir. C'est toujours mieux que rien. Un petit niveau gagné en 2DV2, ça fait plaisir aussi. Et on publie ça. Hop là. Meilleure expérience utilisateur. Ah. On va rechercher ça. Hop là. Oh, les critiques pour Thème Hospital. C'est quand même pas trop mal. C'est pas mal du tout. Les jeux de type stratégie rentrent bien sur PC. Bon, on peut mieux faire sur n'importe où. Expérience agréable. Voilà un commentaire qui est raisonnable. Agréable, c'est bien. Stargame, il pue du cul. C'est tout. Je n'hésite pas à le dire publiquement. Stargame, vous puez. Et ben voilà un petit peu de sous qui rentre. Gling, gling, gling. 50 fans, merci. 35 fans, encore merci. Voilà. Tu vas me faire un petit rapport sur le jeu vite fait bien fait. Hop là. Puis ensuite, on va essayer de chercher un nouveau thème parce que j'ai vraiment envie de sortir un RPG quand même. Et ah, yeah. Alors, hôpital et stratégie, une correcte combinaison, histoire quête peu important. Correspondance plateforme genre PC stratégie, excellente. Donc, mais non, ah, oh oui, un petit rapport sur TAP, allez hop. Soyons fous, ça prend pas de temps. Et puis ça fait monter les points de recherche, c'est bon ça les points de recherche. Plup, plup, plup. Alors, son semble être très important pour ce type de jeu. Ah ouais, sans deck. Rechercher nouveau thème. Animal virtuel. Oh, mais j'ai pas envie de faire un Tamagotchi ou un Nintendogs ou une cochonnerie du genre. J'aime pas ces jeux-là, ça pue. Arts martiaux. Bon, bah, arts martiaux, hein. Intérêt croissant pour les jeux vidéo entraîne mécaniquement l'augmentation des lecteurs de magazines traitant des jeux vidéo. Ces magazines offrent aux développeurs un nouveau moyen efficace de promouvoir leurs jeux en développement. En faisant des pubs marketing. Thème Hospital est plus en vente. Et il a bien rapporté quand même. 421K, et bah c'est pas mal, la tirelire s'est remplie joyeusement. Arts martiaux, allez, on va se faire un jeu. Thème. Arts martiaux. Genre. Action. Et on va l'appeler. Street Fighter, bien sûr. On va le sortir sur Gamelink, ouais, parce que d'une part, il a d'excellentes parts de marché, le coût de la licence est pas très cher, et de mémoire, pour le RPG que j'aimerais bien faire par la suite, c'est vraiment la console qu'il faut avoir. Hop là, graphisme de LV2. Moteur gameplay histoire 4, ça me semble très bien. Plup, 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 plup. Il continue de faire ses petites bulles. Ah, je me disais, il a pas fait de bug, mais... Dialogue pas important. Design du niveau plus qu'intelligence artificielle, je dirais. Allez, allez, plup, plup, plup. Graphisme plus, plus, plus. Et par contre, le design du niveau, ça pue. Voilà.
si vous accumulez plus de 1 million de cash, vous pourrez déménager au niveau suivant. Ça peut paraître beaucoup, mais ne vous inquiétez pas, une fois que vous aurez développé un jeu à succès, vous obtiendrez facilement une telle somme. Bah oui, mais bon, Vena, créateur de la console Master V, vient d'annoncer la Vena Gear, une console portable positionnée pour concurrencer directement la Game Link de Nivento. Un porte-parole de l'entreprise a affirmé, contrairement à d'autres appareils similaires sur le marché dont les performances sont loin d'approcher celles des consoles de salon, la Vena Gear dispose de la puissance de la Master V. C'est-à-dire pas grand-chose, à ceci près que vous pouvez l'emmener avec vous. La Vena Gear est de plus dotée d'un écran couleur et d'action chez Duracell et autres fabricants de pipiles pour ceux qui l'avaient à l'époque. Cette console surpasserait-elle la Game Link ? Seul le temps nous le dira, la Vena Gear fera son apparition dans 2 mois. La console qui avait avec des piles pleines toutes neuves, elle tenait 2 ou 3 heures, quelque chose comme ça, c'était juste atroce quoi. C'était juste atroce. L'emmener partout avec vous, mais pas trop longtemps en fait. Pas trop loin d'une prise électrique pour brancher le petit chargeur. Oh, nouveau record en design, c'est bon ça? Allez, des bons XP, des bons XP, des bons XP. Oui, des XP, donnez-moi des XP. Oui, design du niveau, un petit niveau. Hé hé! Oh, graphisme, un petit niveau! Et Kaori, un petit niveau. Merci, 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 merci. C'est tellement gentil. Éditeur de niveau, bah tiens. Recherche-moi cet éditeur de niveau. Voilà. Alors, Street Fighter. Oui! Magnifique! Peut me le faire, décidément. Montre du potentiel. Et agréable. Je ne retiendrai que magnifique et agréable. Parce que, voilà, les autres commentaires, ils ont été achetés par les concurrents. C'est si évident, je veux dire. Alors, aujourd'hui, Vena a sorti la Vena Gear, sa nouvelle plateforme de jeu. Arrête de te gratter la tête et recherche un peu, là. Ça veut dire quoi, ça? T'es content? T'as trouvé quoi? Vous avez recherché que succès éditeur de niveau. Ben oui, c'est gentil. Tu vas me faire un rapport sur Street Fighter. Petit point de recherche. Voilà, il fallait réclamer, en fait. Qu'est-ce qui se gratte la tête? Nouveau record de vente pour le trophée, c'est que plus de 50 000 exemplaires vendus. Ah ben merci les fans. Une étape importante, ben oui, dans l'histoire de Chaos Games. Merci les fans, merci les fans. 1400 fans, ça commence à faire. Notre analyse post-publication est terminée. Art martiaux action, excellente combinaison. Gameplay relativement important. Très bien, très bien, très bien. Tu vas nous rechercher un nouveau thème. Évolution. Kikikikabaka. Ah. T'es obligé de prendre animal virtuel. Comédie, école. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Sérieusement. Et le problème, c'est que j'aurai pas d'autres thèmes qui se débloqueront tant que malheureusement, j'aurai pas débloqué un de ces quatre-là. On va se faire animal virtuel. Allez. C'est parti. Ah là 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 là. Oh, entendu-moi, la G64 sera retirée du marché, ben non. Pas gentil, ça. Allez, recherche sur le thème animal virtuel. Qu'est-ce qu'il me propose à la place, histoire de me déprimer, là? Fais-moi pleurer. Histoire. Qu'est-ce que tu veux faire comme jeu avec une base historique? Pff, ouais, bah... recherche-moi plutôt l'évolution, là. Street Fighter est plus en vente. Oh, bah, il m'a rapporté pas casse de pognon, 440k. Wow. Merci Street Fighter. Allez, allez, allez. Puis ensuite, il va falloir que je sorte un jeu pour gagner des XP, parce que... Oh, les fabricants de matériel du monde entier ont eu aujourd'hui la surprise d'apprendre que Govodor, l'inventeur du CFG 64, s'est déclaré en faillite.
Govedor n'a pas réussi à mettre sur le marché une alternative plus onéreuse du G64 et a dû en arrêter la production. La plateforme sera tirée du marché en début d'année prochaine. Ah. C'est dommage. Alors, arrête de prendre des notes là. Allez, on va chercher le thème évolution. Bah, c'est merveilleux. Propose quoi comme nouveau thème? Vocabulaire. Qui veut que je sorte un Scrabble? Bon, on va arrêter les recherches. Hein. 6 jeux, 792K, merci la G64. Donc, développer un nouveau jeu. Mais non, qu'est-ce que je fais? Je suis trisomique du clavier. On va l'appeler Animals. Thème, animal virtuel. Genre, simulation. Hein. Plateforme sur la Game Link et avec le Chaos 1 comme moteur toujours. Faudrait que je sorte le Chaos 2 bientôt quand même. Allez, c'est parti. On va se faire un Tamagotchi, les gars. Histoire quête, mais on s'en fout un peu. Moteur gameplay, ça me semble bien comme ça. Plup, 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 plup. Dialogue, design du niveau, intelligence artificielle. Peut-être plus mettre le poids sur l'intelligence artificielle quand même. Ça serait pas mal. Allez, plus, 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 graphisme très important. On se fait des petites bulles. Des petites bulles, des petites bulles. On corrige ses bugs. Et on sort cette drouille. Nouveau record! Eh bien, avec un petit bonus d'XP qui fait plaisir. Un niveau dans le moteur, c'est toujours bon. Un niveau dans l'IA, c'est toujours bon. Au prochain jeu, je pourrais sortir un nouveau moteur graphique, je pense. On publie ça. On fait un rapport sur Animals tout de suite. Et qu'est-ce qu'il dit comme critique? Non mais j'hallucine. Super! Très bon. Très bon jeu. Agréable. Enfin quelqu'un qui a du goût quand même. Tamagotchi quand même, faut pas plaisanter. Mais c'est qui se vend un truc de fou furieux? 185 fans? Mais je suis la folie! Résultat suivant. Animal virtuel et simulation est une excellente combinaison. Intelligence artificielle semble être très important pour ce type de jeu. Ben, j'ai bien fait. Tu vas me développer un nouveau jeu en fait. Genre, tu vas me développer un jeu sur. Qu'est-ce qu'il y a de bien, zombie, non. Allez, un truc d'évolution, évolution. Oh non, j'ai pas d'idée pour l'évolution, en fait. Je verrai plus tard, j'aurais peut-être une idée formidable et farfelue. Allez, on va plutôt se faire une petite simulation de course encore, ça marche toujours. Sur la Game Link, avec le moteur Chaos 1, et on va l'appeler... Pro Karting. Parce que ça, c'est toujours bon. Hop, un petit bug au départ, ça fait toujours du bien. C'est bon, histoire quête, on s'en fout. Hein. Tout ce qu'on veut, c'est faire vroom vroom. Il me met de la petite bulle, il me met beaucoup de petites bulles, ça fait plaisir. IA, c'est très très bon. Plup plup, plup 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 plup. Design du monde, on s'en fout. Graphisme son, c'est très très bon. Allez, on continue de me mettre la petite bulle, on fait péter les records de design et de technologie, on corrige ces vieux bugs pourris. Merci! Nouveau record encore, ça fait plaisir! Ah, décidément. Un niveau en design du monde, merci. Un niveau en graphisme 2D, un niveau en son. Eh ben, je publie ça, tout de suite.
Nouvelle recherche dispo, monde ouvert, graphisme en 2D V3 et graphisme en 3D V1. Et ben on va immédiatement se mettre à la 3D. Voilà. Animal s'est pu en vendre 539 000 de recettes. Ça plaisante pas, quoi. Première critique vient d'arriver. Merci. Oh, mais c'est encore un jeu extraordinaire. Le meilleur de sa catégorie, mais voilà quelqu'un qui a du goût. Mon nouveau jeu préféré, mais c'est formidable. Un des meilleurs. Non, non, il a dit le meilleur, l'autre. T'écoutes l'autre et tu te tais. Un chef-d'œuvre. Voilà, voilà, le best-seller que j'attendais tant. C'est... Oh là 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 là, le nombre de ventes. Oh, 187 400 à la première semaine. 1700 fans. Boum! Argent 2 millions 2. J'ai gagné 1 million 3 rien que la première semaine. Je vais te faire un nom, certain capital. Si vous voulez faire croître votre société davantage, déménager dans un nouveau bureau, la prochaine étape, j'ai trouvé un emplacement idéal situé dans un technopôle. Voulez-vous passer au niveau suivant? Oui, on y va maintenant tant que l'argent coule à flot. Bienvenue dans vos nouveaux locaux. Maintenant que vous avez un plus gros bureau, vous allez aussi pouvoir embaucher du personnel et monter une équipe de développement de classe mondiale pour faire d'encore meilleurs jeux. Ah oui? Tu vas te former au management déjà, gestion du personnel. Merci, bisous. 3 millions de pognon, ça va. Hey, y a mon nom écrit sur le mur. La peinture est sacrément dégueulasse quand même. Le dernier jeu de Chaos Games a reçu des critiques globalement très positives. Star Games lui a accordé un 10, a sorti du commentaire le meilleur de sa catégorie. Si Chaos Games continue à innover de la sorte, il pourrait bien devenir le nouveau chouchou des fans. Oh, c'est tellement bon. Nous venons d'apprendre que Pro Karting, récemment publié par Chaos Games, a accumulé plus de 500 000 ventes. Si ce jeu était de la musique, il serait disque d'or. Ah oui? Les concurrents ont été aperçus marmelant des commentaires jaloux. Alors il me semble qu'en fait le disque d'or c'est pas 500 000, ça doit être 50 000 ou 40 000 disques vendus. Puisqu'à 100 000 c'est le platine. Bien joué, vous avez terminé votre formation sur la gestion de personnel et vous pouvez maintenant embaucher votre premier employé. Pour commencer, fermez ce message puis cliquez sur le bouton embaucher près du gros bureau. Ouais, on verra ça tout à l'heure. On a encore des recherches à faire. Donc on s'en fout. Monde ouvert, voilà quelque chose qui est bien. Alors, embaucher. On va mettre un petit budget de 100 000 pour embaucher quelqu'un qui est pas trop un loser. J'aurais besoin plus d'un codeur ou d'un designer. Les deux en fait. Hop là, cherche. Ploup. Alors, 128 en techno, mais ça pue. 319 en techno, c'est plutôt bon. 325 en techno, c'est bien ça. Vitesse 146, il est meilleur. Il est meilleur, il coûte moins cher. Bah, Grand Carpenter, je dirais bienvenue. Jeu moyen. Ah, voilà quelque chose qui est bien. Bah, justement, ton premier job. Non, il faut déjà que j'y fasse une formation aux nouveaux arrivants. Voilà, et 10 000 pour y dire bonjour. Vena a annoncé la sortie de la nouvelle console de salon dans 2 mois. La Vena Oasis sera dotée de graphismes et de son en 16 bits qui promettent une toute nouvelle expérience de jeu. Lors de l'annonce, Vena a ajouté l'Oasis à un nouveau départ. Elle sera la source d'une nouvelle génération de consoles. Et nous sommes convaincus de son succès. Certains jeux et des sons... Dans certains des jeux déjà annoncés pour cette console laissent à penser que celle-ci intéressera un public plus averti. Et on va embaucher, toujours pour 100 000... Non, 100 000... Démographique, il me faut un graphiste. Ou une graphiste, hein. Ne soyons pas sexistes. Il continue de se vendre en deux, mais c'est la folie ce jeu Pro Karting. 168... 163... 258... Ah, en plus, Robert Dawson, il est pas mauvais en technologie non plus. 8000, 10000, 21000 par mois. En même temps, quand il gagne des niveaux, il coûte tellement plus cher que pff, c'est pas le peu d'investissement de départ qui va me tuer. Allez, fais-moi ta petite formation de bienvenue là.
Recarting n'est maintenant plus en vente. 5 592 319 Dorset. Bonjour. Tu vas me rechercher les jeux moyens, toi. Quoi, t'es déjà fatigué? C'est quoi cette histoire? Non, tout va bien. Fais-moi un rapport sur le jeu Brocarting, toi. Et toi, je sais pas, fais-moi plutôt une game design pour les pirates, ça me semble bien. Fais-moi une formation design, hein, pendant ce temps-là. C'est encore moi, j'ai entendu dire que vous aviez un sacré succès dans l'industrie du jeu et que vous commenciez à développer votre équipe, j'ai mis à jour notre liste de clients, donc si vous voulez prendre un contrat, dites-le moi, Jason. Ben oui. Contrats intermédiaires ont été débloqués, merci Jason. Ça fait plaisir. Ok. Son semble être très important dans ce type de jeu, correspondance plateforme, genre gaming, simulation, bonne. Et comme thème, il me propose rien de bien. On va rechercher école, histoire d'eux, mais... Bonjour Kyori, j'ai suivi la progression de Chaos Games depuis un moment. Il semblerait qu'avec votre récente croissance, vous ayez commencé à développer de plus gros jeux. Des plus gros jeux méritent d'être vus par plus de monde. Et c'est à ce moment qu'un éditeur commence à devenir utile. Voilà, tiens, les requins arrivent, là, les vieux rapaces. Un éditeur va publier et faire la promotion de votre jeu aux quatre coins de la planète. Il va aussi aider à financer le développement. Ouais. En retour, il va garder la plupart des bénéfices, mais comme le jeu se vendra beaucoup mieux, c'est habituellement rentable. Ouais. Je peux vous mettre en contact avec quelques éditeurs pour que vous puissiez jeter un œil au contrat disponible. Faites-moi un signe quand vous voudrez. Jasmine Drock. Trouver un contrat d'édition est maintenant disponible dans le menu Action. Eh bien, c'est sur cette tentative d'arnaque par les éditeurs que nous allons nous laisser avec le thème piratage. Bon. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'adore mes nouveaux bureaux. Avec un petit plan, là. Oh, c'est tellement bien. Eh, le boss, il est là, avec une tête de mort. Mon Dieu. Allez, je vous dis à très bientôt. Bisous et salut !